Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand je viens ou chaque matin, ça dépend du lieu et de l'heure où vous êtes donc branché pour nous regarder. J'ai tout simplement l'habitude de dire que le décrit info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Je suis très très heureux de vous retrouver. Je tiens vraiment la main sur le cœur à vous dire merci. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour l'intérêt multiplié. Vous n'arrêtez pas de nous appeler de partout. Vous n'arrêtez pas de nous demander. J'ai fait rire aujourd'hui. J'ai rigolé sérieusement, j'ai vu un téléspectateur qui m'a écrit pour me dire « Pierrot, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas suivi, passer une soirée au salon sans regarder Pierrot Loire, c'est comme être, venir en vacances à Kinshasa sans être dans les bruits. » Je vous adore mes téléspectateurs, vous savez vraiment rendre la vie intéressante et la vie belle. Je regardais, j'avais du mal à trouver l'anglais pour expliquer les gens qui étaient autour de moi parce qu'ils m'ont vu en train d'éclater de rire. Alors, il fallait que je puisse dans ma gibecière anglophone pour expliquer. Mais je n'arrivais toujours pas à expliquer ce que je... Les gens ne comprenaient pas que j'étais en train de rigoler, sérieusement. Ils disent, Pierrot, ça fait longtemps que je t'ai suivi, ne pas te suivre. C'est comme venir à vacances à Kinshasa et ne pas être dans les bruits. Je suis là, me voici, je suis donc là, je voulais très sincèrement vous dire merci pour votre intérêt renouvelé à cette émission. Je voulais vraiment vous dire que vous êtes la raison qui me fait tenir debout. Je suis très très heureux de vous retrouver. Je voulais vraiment la main sur le cœur vous dire sincèrement merci. Merci pour vos nombreux messages, merci pour vos messages d'encouragement, merci. Nous avons un groupe désormais, c'est tellement sélectif, je ne sais pas il y a combien de personnes là-bas, il y a peut-être 40 ou 39, je ne sais pas. Je demande, c'est un groupe ouvert vraiment pour mes téléspectateurs, un groupe WhatsApp, je n'ai pas encore commencé à l'alimenter sérieusement en débat, je suis encore en train de les constituer. Si ça vous intéresse, vous pouvez donc me faire un message pour me dire « Bonjour Pierrot, c'est votre téléspectateur, voici mon nom et je voudrais faire partie de votre groupe ». Je ne veux pas que ça soit un groupe assez débordant. Moi-même, je suis dans presque une centaine de groupes. Je l'utilise comme des canaux, des messages. Mais là, je veux vraiment qu'on forme une famille et qu'on réfléchisse sur des matières importantes, sur le thème des émissions qu'on va aborder, notamment sur l'OCPL, sur des suggestions, sur des choses comme ça. Je constitue ça encore. Si vous voulez faire partie du groupe de la famille CPL, faites-moi un message au numéro affiché au bas de vos petits écrans. Moi, je me ferai le réel plaisir de pouvoir vous intégrer. Ici, c'est donc d'Écrit Info. Ce soir, je serai en direct à l'OCPL. Il y a plusieurs sujets qui me taraudent encore l'esprit. J'étais en train de lire aussi dans mon groupe, les gens me disent non, parlons de l'état des sièges, parlons de ceci, parlons de cela. Il y en a même qui m'ont proposé qu'on parle du voyage de Vital Kamerhe dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y en a aussi qui m'ont demandé qu'on parle. On va voir, peut-être qu'on parlera de la situation du pétrole, le manque de carburant à Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut faire, les responsabilités qui sont responsable de la situation et qu'est-ce que nous devons faire. Mais au moins tout à l'heure entre 20h30 et 21h, je serai là au taquet pour commencer à l'émission à l'OCPL. C'est une émission que vous aimez ici. Je suis donc dans les décrits et j'ai toujours dit que le décrit info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver en direct dans le cadre de cette émission. Et prenez donc rendez-vous tout à l'heure avec moi dans le cadre de l'émission à l'OCPL. Là, vous aurez la possibilité, vous, mes téléspectateurs qui me regardez un peu de partout, de pouvoir opiner sur l'actualité.
Ici, c'est moi, Claude Perrault-Louara, qui parle. C'est un magazine d'opinion, c'est un éditorial. C'est du pur journalisme que je suis en train de faire. Parce que il y en a qui me reprochent parfois par insuffisance peut-être des données ou d'éléments. Moi, je tiens par rigueur aux gens. Un journaliste ne peut pas dire ça, non. Le journaliste est un citoyen d'un pays et le journaliste a la possibilité d'opiner sur l'actualité de son pays. Le métier, la profession a organisé les choses de sorte qu'il y ait un genre journalistique qui s'appelle éditorial. Et quand je viens dans la peau d'un éditorialiste, je viens pour donner mon point de vue par rapport aux grandes questions d'actualité de mon pays. Je viens donc parler de l'actualité de mon pays. Moi, le citoyen Perrault-Louara, voilà ce que je vois. Voilà comment je vois les choses. Voilà. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, je viens pour qu'on parle aussi d'un thème important, les différentes alliances qui se profilent déjà à l'horizon. J'aborderai la question des élections, j'aborderai la question des différentes alliances et je tenterai quand même de scruter un peu à les acteurs en vue. Et après, vous aurez la possibilité qu'on puisse poursuivre les débats dans le couloir comme on a l'habitude de les faire. Mais avant de les commencer, laissez-moi vous demander mes trois choses que j'ai toujours l'habitude de vous demander. La première des choses, les amis, la main sur le cœur. Je vous demande vraiment de pouvoir vous abonner massivement à CPL Télévision. C'est une marque de confiance. C'est une marque d'encouragement. C'est nous dire que Perrault, nous sommes avec vous, nous croyons en vous. On est ensemble. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, regardez la personne qui est à côté de vous. Si c'est votre femme, si c'est votre qui, demandez-lui de pouvoir s'abonner pour agrandir davantage la chaîne SPL Télévision. Ça me fait énormément plaisir. La deuxième des choses, là je suis même prêt à arrêter l'émission pour vous les demander avec mon cœur. S'il vous plaît, likez cette vidéo que vous êtes en train de regarder et partagez-la. Ça, c'est un geste simple, mais qui nous met à l'abri de certaines choses. Likez la vidéo, partagez-la, ça me fera énormément plaisir. Et la dernière chose que je voudrais vous demander, c'est d'appeler notre amie Judith Londole, Betoko, Betokos, Betokolilo, Molatisiki Toko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire et elle est patronne d'une boutique d'habillement qui s'appelle Londoloise et les spécialistes en habillement homme, tout ce qui concerne l'habillement homme, veste, chaussures, cravate, singlet, tout ce qui concerne l'homme, la montre, tout. Faites donc confiance à notre amie Judith Londole Betoko Betoko Lilo et commandez vos affaires chez Judith Londole, ça nous fera énormément à plaisir. Avant de venir sur mon sujet, donnez-moi juste 3 minutes de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République parce que je venais de lire que ce week-end encore, on a tué les gens par les coups d'écho. Et j'ai été scandalisé, mes frères. J'ai vu cette semaine le président Tshisekedi recevoir les membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ils ont signé un protocole d'accord qui prépare l'arrivée de ces armées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, nous pouvons avoir nos problèmes, nous pouvons avoir nos difficultés, mais moi je prêche aussi pour que la République soit vendue dans ses plus beaux habits. Et ce qui se passe actuellement ne me rassure pas du tout sur l'image et sur la manière, la perception que nous voulons absolument que les autres puissent avoir de nous. Je ne m'explique pas, les amis, que 4 ans après l'arrivée de M. Tshisekedi, et plus de 3 mois après l'occupation de Bounagana par le M23, que la République, au niveau le plus élevé, puisse manquer autant d'ingéniosité pour arrêter cette affaire. Vous allez vraiment vous rendre compte que le président de la République, le gouvernement de la République, s'il en a encore, parce que je me demande vraiment si ce pays-là est gouverné par quelqu'un. Nous avons eu des premiers ministres, mais c'est lui qui est là, remplit tout simplement le protocole. M. Tshisekedi, quand il concevait la notion de la démocratie, lui était plutôt dans la peau d'un dictateur. La dictature, c'est entre autres les brimades contre la liberté d'expression et toutes ces choses, mais aussi le fait d'avoir une vision nombriliste. Aujourd'hui, toutes les institutions de la République ne fonctionnent pas. Seule la volonté de M. Tshisekedi, comme dans un régime despotique, s'applique. Il a vidé la primature de sa substance. Le gouvernement ne représente plus rien. Le Parlement est devenu une sorte de caisse de résonance au service de ce monsieur. Une caisse de résonance qui obéit au doigt et à l'œil du monarque qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Tshisekedi, dans sa conception de la primature, il voulait avoir un chef de gouvernement qui ne lui ferait pas ombrage. Et c'est comme ça que Danny Banza est allé chercher son ombre qui s'appelle Samalou Koundé et il est venu le placarder auprès de Tshisekedi. Le problème, c'est que vous avez
une ombre, vous n'avez pas un premier ministre au pays. Combien de fois vous l'avez entendu parler? Combien de fois vous l'avez vu poser des grandes actions? Les prérogatives de la primature ont été tous vidées et envoyées à la présidence de la République. Vous avez des conseillers tout puissants de M. Tshisekedi qui dirigent même les politiques publiques, qui peuvent aller chercher l'argent pour les constructions des écoles dans des projets publics au niveau du FPI. Et vous avez un premier ministre amorphe qui se contente de gagner de l'argent et qui s'en fout même de revendiquer ses propres prérogatives. Donc l'Est de la République, on a encore tué les gens. Les amis, Tshisekedi a signé cet accord-là pour que les armées étrangères viennent encore chez nous. Si en 4 ans, monsieur n'a pas pu réformer notre armée, vous pensez que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest changera quoi? J'ai vu même les Soudans du Sud, les amis. Vous imaginez que nous sommes incapables d'attaquer les rebelles qui sont chez nous? Nous allons nous appuyer sur le Soudan du Sud? Ce pays qui a eu son indépendance, je crois, en 2011 ou en 2010 ici, et qui a véritablement des sérieux problèmes. Le Soudan lui-même a des problèmes entre le président Riek Machar et le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, je crois. Ils ont des problèmes de guerre qui n'arrivent pas à terminer chez eux. Mais Tshisekedi va signer des protocoles autorisant à l'armée sud-soudanaise de venir intervenir chez nous. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et regardez la cartographie des déploiements. On a pratiquement scindé la République en donnant à chaque pays une zone. Donc vous aurez République démocratique du Congo. Dans l'Est, à Bukavu, il a déjà donné. Donc chaque pays va se retrouver dans un coin de la République démocratique du Congo où il fait sa loi. Et le malheur, les amis, c'est que ce pays-là, tous ils ont choisi des coins qui se rattachent à leur territoire. Donc c'est une opération de pillage, de balkanisation que M. Tshisekedi est en train de mettre en branle. Le pays est en train de partir en fumée, mes frères. Le pays est en train de partir en fumée. Il a lancé depuis plus d'une année l'opération État de chaise qui ne produit aucun fruit. Il est allé signer des accords aveuglément avec l'Ouganda. L'armée ougandaise est chez nous. On ne sait pas quand est-ce que l'Ouganda va rentrer chez lui. Et aujourd'hui, vous avez le Rwanda avec le M23. Dans le sud, qui vous il a fait entrer l'armée burundaise. Et là, il va donner une partie de l'ancienne province orientale au Soudan du Sud. C'est terrible, les amis. Votre pays est véritablement en danger. Mon objectif à moi, ma responsabilité comme patriote, c'est aussi de vous alerter. C'est de vous dire, Congolais, à un moment donné, nous sommes en train de somnoler, de ronfler. Mais l'inexpérience, l'incompétence et l'insuffisance qui est installée au sommet de l'État est véritablement en train de nous mettre en danger, nous, notre avenir et notre devenir. Il est vraiment temps que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions réfléchir sur ce que nous pouvons faire pour sauver ces pays-là. Et aujourd'hui, je reste convaincu qu'un de nos grands problèmes, le grand souci que nous avons dans le pays s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un grand souci. Donc, la situation, elle est dramatique. Moi, je l'ai dit pour vous alerter, vous, Congolais. Pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a des sérieux problèmes dans votre pays. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'incompétence et de l'insouciance de vos dirigeants. J'ai appelé, je vais faire une mission ici avec des psychologues. Pour que les psychologues m'expliquent un peu l'état psychologique du président Tshisekedi. Ils doivent me donner la nature psychologique de ce monsieur. Parce que je ne m'expliquais pas que l'on soit inconscient à ce niveau-là des responsabilités. Cette inconscience du président Tshisekedi, l'insouciance, l'irresponsabilité qui caractérise sa gestion doit être disséquée par les psychologues. Parce que je ne peux pas m'expliquer que l'on soit président de la République depuis 4 ans d'un pays en lambeaux, un pays qui est en train de se liquéfier, mais que l'on soit à mesure de trouver les temps pour sa jouissance, que l'on trouve les temps pour aller dans toutes les fêtes ici, que l'on trouve les temps de se promener comme un touriste à ne rien faire. La reine est décédée. Bourouyo Kayakei. Akokende.
Et la République ne va rien gagner. Il va rester là. Son plaisir à lui, c'est d'être à côté de ses chefs, ces gens-là. Bazoaké ba selfie, bazoaké ba... Voilà l'image qui s'est fait. Voilà l'image que nous avons. J'ai été heureux, je ne confirme pas, j'ai lu quelque part que parmi les invités pour aller assister à la prestation des serments de M. Ruto, on ne l'a pas invité. En tout cas, si c'est vrai, que Dieu soit béni. Si c'est vrai, ça nous épargne un peu d'argent. Parce que lui, il allait même arriver au Kenya là-bas. Il était prêt à arriver avant même que la Cour constitutionnelle du Kenya proclame Ruto, confirme les résultats de Ruto. Parce que ça lui fait plaisir de voyager. Ça lui fait plaisir de voyager. Quel est l'état psychologique de notre président de la République? Quel est son statut psychologique? Parce que je ne m'explique pas, je ne comprends pas que cet homme qui a la responsabilité d'une nation en déliquescence, une nation en lambiquée, une nation... Attendez, puisse se livrer à une telle jouissance, puisse se retrouver dans toutes les fêtes, dans tous les mariages, même votre fête d'anniversaire, il est là, dans toutes les funérailles, il est là. Je vous ai dit la dernière fois en rigolant qu'un de mes amis m'a dit, Péro, Ngeleka n'est plus Ngeleka, désormais il est Bijou Kiika. Et l'on y a la fête. Bijou Kiika est un nom célèbre chanté par nos musiciens. Babengage Bijou Kiika et l'on y a la fête. Ah vraiment, Félix est Bijou Kiika et l'on y a la fête. Et l'on y a la fête. Mourez comme vous voulez dans l'Est de la République, ayez des problèmes de carburant, ce n'est pas son affaire. Pour la fête, Azaliwana. Et taliété, ma problème Nabino, et taliété. Pour sa propre jouissance, pour assouvir ses besoins de voyage de touristes, Bijou Kiika. Ngeleka, Bijou Kiika. Et c'est l'image que nous avons aujourd'hui au sommet du pays. Donc moi je dis, pour que vous puissiez vous rendre compte que votre pays a des problèmes, et puis deuxièmement, je l'ai fait pour que nos compatriotes de l'Est de la République retrouvent l'amour, la solidarité de nous tous, et que nos compatriotes puissent comprendre qu'ils sont pas... Ils ne sont pas seuls. Il y a des Congolais qui croient en eux. Il y a des Congolais qui sont avec eux. Et des Congolais qui pensent à eux. Les amis, laissez-moi aller vite et très vite vers mes sujets du jour. La première des choses que je voulais dire, je voulais vous rassurer sur les sérieux du travail que nous faisons ici. Je vous ai dit que le président Félix Tshisekedi est, à l'heure où nous parlons, l'auteur d'un scandale d'État après que lui-même ait décidé de détourner 87 millions de dollars américains des investisseurs étrangers. La scène est en train de se poursuivre à l'heure où nous parlons encore à la cité de l'OIA. L'argent était au pavillon 22 et l'argent est aujourd'hui au pavillon 6. Cet argent est venu sous le couvert. De la Société Financière Internationale. Je n'insisterai pas sur ces dossiers si je n'ai pas d'éléments. Et rassurez-vous qu'un tsunami est en train d'arriver. Le travail que j'ai fait, je ne me permettrai pas de venir vous relayer des fake news. Je suis venu ici. Je vous ai dit qu'un député touchait 21 000 dollars. Ils sont passés à la télévision pour m'insulter. Après, aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Les députés touchent effectivement 21 000 dollars. Ces débats-là, c'est moi qui ai lancé ça. Je suis venu ici, je vous ai dit que André Mbata touchait 850 000 dollars et j'ai détaillé ça. 200 000 des émoluments, 100 000 dollars de primes, 55 000 dollars de frais faux secrets de recherche et les 500 000 que Sam Aloukonde lui donne. On m'a insulté. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabound confirme, il dit que Perrault a raison parce qu'à mon temps, c'est ce que je touchais et à ces informations... Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que Mbata touche. Et j'ai même vu un député, on m'a parlé, c'est de qui là, qui a confirmé, je ne vais pas citer les noms pour faire la publicité des gens ici, qui a confirmé ce que j'ai dit. Je suis venu ici, je vous ai étalé la famille depuis Soumoua Bilou. Jusqu'aujourd'hui, personne ne m'a contredit. Donc moi, je ne suis pas un relayeur de fake news. Je suis venu ici, je vous ai dit que les États-Unis d'Amérique vont frapper des sanctions. J'ai vu qu'ils ont organisé un scénario, ils ont posé la question à une chargée d'affaires. Les amis, vous avez au pays des gens qui ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Les Kalev, les Boshab, les Chadari. Ce n'était pas l'affaire d'une chargée d'affaires. Les sanctions américaines sont prises par le Trésor d'État en collaboration avec, plutôt, le département du Trésor américain. En collaboration avec le département d'État.
Qu'est-ce qu'une chargée d'affaires d'une ambassade a à voir avec la question des sanctions? Et même si la chargée d'affaires était au courant, soyons quand même, réfléchissons un peu les amis. Vous pensez qu'une diplomate de ce rang-là, dans le bureau de M. Denis Kadima, concerné par ces sanctions, viendra vous dire « Oui, l'Amérique va sanctionner M. Kadima. » Attendez, ils sont sérieux. Et j'ai vu les gens être embarqués. Moi, au moins, je suis content que Denis Kadima ait pu organiser cette mascarade. Et les dates que j'ai données ne sont même pas encore arrivées, mais les gens disent « Oh !» Moi, je ne relais pas de fake news. Au moment où je suis en train de faire cette émission, M. Tshisekedi est trempé dans une affaire de détournement. Lui, personnellement, engageant sa responsabilité de 87 millions de dollars. Vous allez me donner raison ici. Parce que le tsunami arrive. Comme je suis votre frère, j'ai la peau noire, vous ne me faites pas confiance. Quand RFI va en parler, quand Radio-Canada va en parler, quand CBS va en parler, c'est alors que vous allez vous rendre compte. Mais ça fait 2 semaines que Perreux est en train de nous dire cette histoire. Vous allez dire que ça fait 2 semaines. Et ça commence à devenir bizarre parce que les Occidentaux, les capitales de ces étrangers commencent à considérer une sorte de séquestration. Il vient et dit, non, je vais vous remettre votre argent, mais avant, vous devez me donner des garanties, n'aimez bien que vous avez saisi. Et vous allez avoir tout un dossier sur cette affaire. Je lance un défi à qui veut m'entendre ici. De me prouver une seule fois où moi, j'ai parlé de fake news. Où j'ai dit quelque chose qui n'était pas vrai. Venez me le dire. Vous me parlez des chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, mais les sanctions, ce n'est pas une affaire des chargés d'affaires. Et puis les dates que j'ai données ne sont même pas encore là. Ne sont même pas encore là. Aujourd'hui, je vous parle de cette affaire de 87 millions. Ça fait 2 semaines que je suis là-dessus. Très peu de temps ici, vous allez voir. Ah, c'est là que je ne relais pas de fake news. La République est en danger. La République est entre les mains. La République subit une gestion criminelle en bande organisée. Là où je vous parle, tu sais qu'il est toujours en train de faire des tractations. Et comme a dit Bakate la banque, on a 87 millions. Mongwabatu, Bozongis, remettez l'argent de toi, monsieur Tshisekedi. Vous faites la honte de votre père. C'est quelle gestion vous êtes arrivé au pouvoir seulement pour piller? Ils ont pris 87 millions. Ils ont décidé d'ordonner à la gouverneure de la Banque centrale qu'il ira ramener 87 millions. Pour besoin que ça se comme aussi Boliaki, déjà Boliaki, et commis les lobbies, les lobbies. Toza cacao. Bientôt, vous allez encore dire, ah, Perreux avait dit ça. Perreux avait dit ça. Perreux avait dit ça. Moi, vous ne me trouverez pas dans la liste des fake newsers. Toza cacao. Peut-être parce que je suis votre frère. On va voir. On va voir. C'est que ça va donner. J'ai appelé Kinshasa. J'ai vu les images. À l'heure où nous parlons, le carburant est toujours difficile. Je voulais dire 2-3 mots pour cette histoire des carburants. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit que je parlerai des alliances politiques et des élections. Les amis, j'ai entendu les explications des communicateurs de M. Tshisekedi. Je les ai vus s'écabrer en disant c'est une affaire internationale. Même en France, on manque de carburant. J'ai même vu qu'ils ont utilisé une image tronquée de quelqu'un qui est en France. Regardez bien la station où le monsieur est. Monsieur est devant une station de Total Energy. Il s'est retrouvé dans cette station-là parce que le gouvernement français a mis en place une situation de ristourne où la société d'État, donc Total Energy, qui vend le carburant, mais avec quelques centimes, ou je ne sais pas moi, des moins que la normalité. Quand vous allez par exemple dans les stations Leclerc que les autres, vous n'allez pas trouver des fils. La file que vous avez vue, c'est dans une station Total Energy. Parce que Total Energy applique une certaine ristourne, ce qui fait que le carburant, les litres, est vendu moins cher que dans les autres stations. Et ceux qui veulent dépenser moins que dans les autres stations viennent faire la queue chez Total Energy. La France n'a pas un problème de pénurie de carburant. Pourquoi vous allez en France? La République démocratique du Congo a 9 voisins. Donnez-moi un seul pays ou une seule image de ces 9 voisins-là. Je parle même des pays en Afrique où les gens dorment 3-4 jours dans les stations pour attendre les carburants. Vous avez le Congo-Brazza à 4 minutes quand vous prenez le bateau.
les canaux rapides. Vous avez l'Angola au sud. Vous avez le Rwanda, vous avez le Ouganda, vous avez le Burundi. Vous avez la Tanzanie. Vous avez le... Même là où il y a la guerre, la République centrafricaine. Vous avez la Zambie et tout ça. Donnez-moi un seul pays où les gens dorment. Donc la guerre en Ukraine ne concerne que la République démocratique du Congo. Et vous n'avez même pas honte. Tout ce pays-là, eux, ne subissent pas les problèmes de guerre. Dans ce pays africain, moi je ne vais pas à l'extérieur, je reste parmi nos voisins. Seulement parmi nos voisins. Le problème, c'est un problème d'incompétence. Le président Tshisekedi a pris un secteur important. Il a donné à quelqu'un d'incompétent qui s'appelle Didier Boudimbou. Didier Boudimbou, désormais, je ne l'appelle plus Didier Boudimbou. J'ai décidé de le débaptiser. Il faut désormais l'appeler ses mamans. L'homme ne s'appellera plus Didier Boudimbou. Il s'appellera désormais ses mamans. Parce que je vous ai démontré lors de ma dernière émission ici que cet incompétent monsieur n'assume rien. Il est allé porter plainte contre Perro Luara, Peter Tiani et Louis-France Kouzekissa. Et quand l'affaire est sortie, il nous a dit que ce n'est pas lui qui avait porté plainte, c'est sa maman. Ce n'est pas moi, c'est maman. Donc un homme qui est incapable d'assumer ses responsabilités, il va ester en justice et dit que ce n'est pas moi, c'est ma mère, alors qu'il est ministre, il est père de famille. J'ai dit, mais ça c'est une catastrophe installée au sommet du pays. C'est comme ça que désormais je l'appelle ses mamans. Didier Boudimbou alias ses mamans. C'est lui le problème, entre autres. L'homme est venu dans les wagons de la racaille. Je pèse bien mes mots. De la racaille, de la diaspora que M. Tshisekedi est allé prendre en Europe. J'ai dit bien, la diaspora congolaise a des compétences. Des gens qui ont fait des bonnes études, ULB, il y en a beaucoup de grandes universités à Paris ou en Belgique. Posez la question à monsieur, ses mamans. Il a étudié où? En France ou en Belgique? Il a quel diplôme? Ce monsieur est venu devant vous tous. Ses mamans a dit que je suis incompétent. Ce n'est pas moi qui dis que Boudimbou est incompétent. Je remarquais aussi qu'il y a une mauvaise pratique qui naît dans nos vies. On ne rencontre jamais les gens sur base des éléments qu'ils posent sur la table. Moi, je pose des éléments sur la table. Premier élément, j'ai dit que M. Didier Boudimbou, alias ses mamans, est un incompétent. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même Boudimbou, dans une émission, vous avez vu la vidéo, avec moi d'ailleurs, qui vous dit que monsieur... Le portefeuille qu'on m'a donné, je ne connais rien. Je ne maîtrise rien de ce portefeuille. Ces portefeuilles-là, j'ai pris 14 jours pour apprendre. Et il a dit pour apprendre les ABC, les notions des hydrocarbures. Mais quelqu'un qui a appris pendant 2 semaines, quels ont été les modules que ses mamans a appris pour aujourd'hui vous apporter un développement de ces secteurs-là? L'homme est dépassé. Le problème, c'est donc l'incompétence de monsieur ses mamans qui nous amène dans cette situation. Mais ses mamans est un repris de justice. C'est là que je vous dis que monsieur Tshisekedi n'aime pas le pays. Sinon, comment on pouvait prendre un homme incompétent qui n'a pas un parcours scolaire élogieux et qui a surtout un casier judiciaire noir et lui donner les hydrocarbures du pays. Boudimbou a été plusieurs fois condamné, notamment pour escroquerie, pour recel et pour blanchiment. Je vous ai dit ici, Boudimbou a notamment été, ses mamans a notamment été pensionnaire de la prison Saint-Jules en Belgique. Et là, il a été condamné pour escroquerie. Il a mis en place un processus pour escroquer les épargnants belges. Et un des épargnants s'est suicidé parce que Boudimbou lui a tout ravi dans son escroquerie. Et il a été condamné pour ça. Il a fait la prison de Saint-Jules. Je l'ai dit. Comment M. Tshisekedi pouvait prendre cet escroc? J'ai dit qu'il est escroc parce qu'il y a une condamnation. Il n'est pas présumé innocent. Il a été condamné pour escroquerie. Comment pouvait-il prendre cet escroc incompétent et lui donner un grand ministère comme les hydrocarbures? Ici, j'ai un document de condamnation
que Boudimbou vienne le contredire. Je vais vous lire certains éléments. Non. Boudimbou, Twampwanga, Didier. Date de naissance, le 17 décembre 1997. Lieu de naissance, Kinshasa. Date de l'arrestation, ça c'est un document officiel belge. Date d'arrestation, le 9 juillet 2014 à 14h30. Date des coups, donc il y a même la date de son écrou ici. Le 9 juillet 2014 à 14h44. On parle même des régimes ordinaires, tout ça. Et ce n'est pas tout. Je vais aller maintenant chercher les condamnations. Condamné à 3 ans de prison, début de la peine, le 9 juillet 2014, expiration de la peine, le 3 novembre 2016. Donc, monsieur est condamné. Et ici, les documents répondent les charges qui ont amené ses mamans à être condamnées. Escroquerie, recel et blanchiment. C'est un document officiel. Au lieu de m'insulter, venez contredire ce que j'ai dit. Est-ce que M. Boudimbou, alias ses mamans, a-t-il, oui ou non, été condamné pour escroquerie? Ça, ils ne répondent pas à ça. Est-ce que M. Boudimbou, alias ses mamans, est-il, oui ou non, incompétent? Lui-même, il vous a dit, effectivement, je suis incompétent. Le travail qu'on m'a donné, je ne le connaissais pas. Je mis 14 jours pour apprendre. Pourquoi on fait les débats? Pourquoi je dois débattre avec vous? Pourquoi je dois débattre? Dites-moi pourquoi je dois débattre. Parmi ces condamnations, ces mamans avaient mis en place un système pour aller aussi escroquer les gens de troisième âge. Ils allaient fouiller dans des boîtes de lettres, il y avait un troisième âge. Ils prenaient leurs références en banque, ils prenaient parfois leurs chèques et ils allaient dévaliser leurs comptes. Quelqu'un qui n'a pas pitié des gens vulnérables comme les gens de troisième âge, qui dépouillait le vieillard dans son escroquerie. Vous pensez que cet homme aura pitié de l'argent du trésor public? Vous pensez que cet homme aura pitié de vous, Congolais? Rencontrez-moi sur ces éléments. Monsieur, c'est maman. Monsieur, c'est maman. Rencontrez-moi sur ces éléments. Vrai ou faux, vous avez été condamné pour escroquerie, pour recel et pour blanchiment en Belgique. C'est maman. Répondez. Vrai ou faux, vous avez dit dans une émission que vous ne connaissez rien des hydrocarbures et que vous avez eu besoin de 14 jours. Ce sont des éléments que je pose sur la table. Vous voulez jouer? Allons-y, c'est un game. On y va. On y va, monsieur et ses mamans. On y va. Ici, moi je parle au nom de mon peuple, au nom de mon pays. Et je dis que c'est de ne pas aimer la République, que de prendre un secteur aussi important, que de les donner entre les mains inexpertes, des mains incompétentes, d'un repris de justice multi-récidiviste, qu'il y a des déboires, qu'il y a eu des déboires en Belgique, et de donner ça à un homme qui s'appelle Didier Boudimbou, alias et ses mamans. Je l'ai dit. Et j'ai des éléments. Je pose deux choses sur la table. Deux seulement. Deux. Monsieur et ses mamans, deux choses. Rencontrez-moi sur ces deux choses. La première des choses, moi j'estime que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent. Et la preuve, elle est là. Les secteurs des hydrocarbures dans le pays ne fonctionnent pas. Vous êtes incompétent. Et j'ai un argument de taille. Vos déclarations. Vous avez dit sur la place publique que vous n'avez eu besoin, vous avez eu 14 jours pour être formé en hydrocarbures. J'ai dit que ça, c'est la preuve de l'incompétence. Dites-moi, monsieur, c'est maman, est-ce que vous êtes compétent ou non? Moi, j'ai dit non, vous êtes incompétent. Donnez-moi des réponses à ça. Et puis, j'ai dit que vous êtes un repris de justice, vous êtes un escroc. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'emprunte les qualificatifs de la justice belge
Qui vous a condamné pour escroquerie, pour recel et pour blanchiment? Êtes-vous un escroc, oui ou non? Voilà les deux questions. Avez-vous été condamné, oui ou non? Avez-vous été prisonnier à la prison Saint-Jules, oui ou non? Avez-vous à un moment donné été pensionnaire de la prison des forêts en Belgique, oui ou non? Arrêtez de tergiverser. C'est simple. Rencontrez-moi sur ces éléments-là. Rencontrez-moi sur ces éléments que je pose sur la table. Rencontrez-moi sur ces éléments que je pose sur la table. Et j'ai dit que M. Tshisekedi qui vous a nommé n'aime pas ce pays. M. Tshisekedi qui vous a nommé n'aime pas ce pays. On va continuer. Je reviendrai encore d'autres éléments sur ces mamans. On va continuer. On va encore donner des éléments sur ce qui est véritablement ces mamans. J'ai vu aussi certaines images sur les réseaux sociaux. Des gens en train de se rentrer dedans, entre d'un côté les pro-Kabound, on dit que Jekoko Mulumba est allé brûler la maison des Kabound. Jekoko est un tshisekediste. Et moi, j'estime que Tshisekedi est une malédiction, est un calvaire pour ce pays. Mais la vérité reste la vérité. Les informations à ma possession indiquent que le vice-gouverneur Jekoko n'y est pour rien dans les incidents qui sont intervenus la semaine ou le week-end chez M. Jean-Marc Kabound à Kabound. J'ai vu les images de Jekoko en train de jouer sur ce terrain-là, et ce n'est même pas lui qui a inauguré les terrains. Le terrain a été inauguré par le bourgmestre de la Limité, mais aussi par le CD, le chef de division sport de la commune. Jekoko a joué sur ce terrain-là comme un notable de Limité. Et mes renseignements indiquent qu'après le match, il a démarré sa voiture, il est rentré. Ce qui s'est passé après, tu sais qu'il dit c'était ou pas la vérité, et que Jekoko n'y est pour rien, selon mes informations. Donc, quand il y a la vérité, quel que soit le côté où la vérité se trouve, moi je l'ai dit. J'ai dit que les informations à ma possession, à l'heure où nous parlons, indiquent qu'on veut faire porter au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa le chapeau de la responsabilité des incidents survenus récemment à la résidence de l'honorable Jean-Marc Kabound. Moi, mes informations indiquent que c'est un innocent, il n'y est pour rien. Donc je voulais quand même que vous soyez fixés sur ça. Les amis, à l'heure où je fais cette émission, M. Vital Kamerhe se trouve dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a parlé d'une tournée à Mani, d'une tournée de la paix. En fait, en réalité, au-delà de la paix, Kamerhe est dans une sorte de tournée préélectorale. Kamerhe est aujourd'hui le cerveau moteur d'un système défaillant, d'un système qui est en train de se noyer et qui commence de plus en plus à chercher les occasions de toucher à n'importe quoi. Félix Tshisekedi, il a humilié en public devant nous tous. Il a humilié sa famille, sa femme, ses enfants, exposés comme du bétail. Après, lorsque M. Tshisekedi s'est rendu compte qu'il n'avait plus d'alliés sérieux, Tshisekedi a pensé que Vital Kamerhe, rompu en politique, pouvait l'aider, et il est allé sortir Vital Kamerhe. Là, ils sont en train de faire un effort pour quadriller la situation. Ils pensent que dans l'est de la République, en ayant Modeste Bahati Lukwebo, le tandem Lukwebo et Vital Kamerhe, ils peuvent se gratter quelques voix dans l'est de la République. Dans la province de l'Équateur, ici, ils ont M. Jean-Pierre Bemba, qu'ils utilisent aujourd'hui à leur dessein. Hein. Moi, je suis très déçu de voir le comportement de Jean-Pierre Bemba, cet homme qui, à un moment donné, a incarné l'espoir pour ce peuple, pour ce pays. Aujourd'hui, il est vraiment devenu quelqu'un que tu sais qu'il est en train de balader comme un jeu de ping-pong. On est en politique, c'est son choix. Je le respecte, mais c'est quand même une grosse déception pour moi. Tu sais qu'il pense que dans l'Équateur, il peut donc s'appuyer sur M. Jean-Pierre Bemba. Et dans le Kassai, il table sur l'aura de son père et son nom. Et peut-être aussi, dans le Bandundu, il est sur le point où il a déjà réussi, même si Mozito ne le dit pas clairement. On sait qu'aujourd'hui, Mozito n'est plus du tout dans l'opposition farouche contre M. Tshisekedi. Il pense dénicher Mozito et ainsi
avoir. Et lui aussi, au-delà de sa stratégie, il pense, il table sur la diversité des candidatures au niveau de l'opposition, qui fera que les voix de l'opposition se dispersent. Il va multiplier les candidats pour que les voix se dispersent et que lui puisse récupérer. Ça, c'est une sorte de stratégie. Mais déjà, il faut savoir qu'il commence de plus en plus à être évident que nous n'aurons plus d'élection. Je vous ai dit la dernière fois que tous les éléments rassemblés, les éléments du puzzle, démontrent que il est difficile ou même impossible, sauf un grand miracle, que nous puissions avoir des élections en 2023. Les conditions ne sont plus réunies. D'abord, les conditions des temps. Selon la Constitution de la République, le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant. 90 jours, c'est donc le mois de septembre prochain. On ne peut pas avoir toutes les opérations préélectorales en une année. La cartographie, l'enrôlement, l'établissement, et tout ça en une année. Non. Même si on fait de la magie, c'est impossible. La deuxième chose, c'est l'argent. Les élections vont nous coûter à peu près 900 millions de dollars. Cette année, pour réussir les opérations électorales, la Commission électorale nationale avait fait un budget de plus de 600 millions de dollars qui ne lui a pas été donné. C'est là que moi je mets en exergue et je mets en évidence le mensonge du régime Tshisekedi lorsqu'ils vous disent qu'ils ont multiplié les budgets. Ils ne peuvent pas multiplier les budgets et être incapables de pouvoir honorer les charges de l'État. Nous avons un problème de carburant aujourd'hui parce que l'État est aussi incapable de payer la décote des sociétés pétrolières. Une décote qui s'élève à peu près à 400 millions de dollars. Comment on peut multiplier les budgets? Comment on peut avoir des réserves d'échange multipliées, mais que l'on soit dans l'impossibilité d'honorer les charges? C'est impossible. On ne peut pas le faire. Donc c'est un gros mensonge cette histoire de vous dire, voilà les services d'assiettes, voilà. Non, c'est un gros mensonge. Si ce n'est pas un mensonge, alors c'est une idiotie, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays qui multiplie fois 2 ou fois 3 son budget, mais que ce pays-là soit dans l'impossibilité de pouvoir honorer ses charges permanentes. C'est impossible. Et puis troisièmement, c'est un problème de sécurité. Maintenant qu'il est en train d'ouvrir nos frontières aux forces armées de la CEAC, les accords qu'il a signés stipulent que ces forces-là vont rester en République démocratique du Congo pour un mandat de 6 mois renouvelable. Comment pouvons-nous organiser les élections avec un territoire, une grande partie de notre territoire occupé par les armées étrangères? Donc tout commence à être difficile. Et Tshisekedi commence à tenter d'organiser un glissement. Vous avez vu qu'il utilise aujourd'hui, comment il s'appelle, Dodo Kamba, qui se promène dans les états-majors des partis politiques. Je l'ai vu chez Martin Fayoulou, je l'ai vu chez OPPRD avec Emmanuel Ramazani Shadari, à gauche et à droite. Le discours est camouflé, il ne vous dit pas clairement qu'il vient, mais là, ils sont en train de préparer les lits pour un glissement. Je voulais revenir sur les alliances. Il va être difficile à Tshisekedi de réussir ces alliances, parce que les politiciens sérieux ne peuvent pas croire à un homme qui ne respecte rien. En 4 ans, M. Tshisekedi nous a montré qu'il n'était pas un allié fiable, que l'on ne pouvait pas compter sur lui, que l'on ne pouvait pas compter sur lui. M. Tshisekedi nous a démontré qu'il trahit toutes les alliances qu'il fait avec les gens. Autant il a commencé par trahir après Genève, il a trahi avec Vital Kamerhe, qu'il a envoyé en prison. Il a rompu ses relations avec Kabila. Là, il est en train de maltraiter Katumbi, avec qui il n'est plus en odeur de sainteté. Donc, il lui sera difficile de pouvoir convaincre les autres ténors de l'opposition à venir convoler avec lui pour une affaire de glissement. Ça va être très compliqué. Parce que ceux-là ont quand même des jurisprudences et des jurisprudences récentes qui démontrent que l'on ne peut pas faire confiance à M. Tshisekedi. Ce n'est pas un allié sérieux. Deuxième chose, Kabila réussissait à débaucher les gens parce qu'il y avait la faim à côté. Vous avez des gens de l'UDPS qui ont fait 37 ans qui n'avaient rien. Et puis, à côté, il n'y avait qu'une seule mastodonte qui s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il était difficile pour lui de les bouger. Mais aujourd'hui, en face de lui, Tshisekedi a un homme comme Kabila qui financièrement est bien installé. Vous avez à côté de Kabila un Moïse Katumbi qui n'a pas faim. Même Martin Fayoulou, c'est un homme de conviction. Peut-être qu'il n'est pas aussi Richard, mais
les 4 dernières années ont démontré qu'il est enraciné dans ses convictions. Il vous dit, j'ai gagné les élections jusqu'à aujourd'hui, il continue à en parler. Donc il sera très difficile pour M. Tshisekedi d'aller tenter de débaucher ces gens-là. Surtout que tous ont eu une histoire de mauvais goût avec lui. Ils ont véritablement eu une histoire de mauvais goût avec lui. Et puis, c'est une grosse erreur pour Tshisekedi de croire que Kamere, que Bahati et que les autres pourront lui apporter un souffle. Détrompez-vous les amis, le peuple n'est pas dupe. Tout le monde s'est rendu compte de l'incompétence et des insuffisances de M. Tshisekedi. Les Congolais aujourd'hui sont convaincus. Ils se sont rendus compte que Félix est une erreur de parcours, est un chapitre triste de ce pays-là qu'il faut vite refermer. Ne croyez pas que le report de voix est une affaire d'automatisme. Sinon, il vous souviendra qu'à son temps, son éminence chef spirituel de l'église kimbanguiste, il a donné l'ordre que l'on vote pour Kabila. Mais même en Kamba, cité sainte, où il y a des kimbanguistes, Kabila n'a pas été élu. Kabila n'a pas été élu. Alors qu'il avait le soutien de l'église, de la tête de l'église avec son éminence, chef spirituel. Donc, c'est fier à ces gens à qui Tshisekedi est en train de distribuer aujourd'hui de l'argent comme des petits pains. Et croire qu'ils vont lui amener des Congolais dans son escarcelle comme des insectes, il se trompe. Et Kabunda a raison quand il dit qu'en regardant la configuration actuelle du pays, Tshisekedi aura du mal à être parmi les 5 premiers si on organise les élections aujourd'hui. Même chez lui au Kasaï, vous avez vu ça de son tout dernier séjour ici à Kananga. J'ai vu ses laudateurs parler comme ils veulent, mais ça a été un échec patent. Le Tshisekedi d'avant, hier, et Tshisekedi qui est allé aujourd'hui à Kananga comparer les images, c'est un échec patent. Les Kasaïens eux-mêmes sont désillusionnés. Ils comprennent que ce frère jouisseur est arrivé au pouvoir pour son propre compte, pour ses propres intérêts, pour sa famille. Et qu'en 4 ans, le Kasaï n'a pas bénéficié du pouvoir d'un de ses fils. Donc, à mon point de vue, c'est une grosse erreur de croire qu'en distribuant de l'argent comme il est en train de le faire, Tshisekedi peut avoir des choses. La seule issue qui reste à M. Tshisekedi, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, c'est une répétition. À l'heure où nous parlons, la seule issue qui reste à M. Tshisekedi, c'est de pouvoir se retirer et de faire les François Hollande. Parce que détrompez-vous, toute autre manœuvre que M. Tshisekedi est en train de faire risque de l'emporter. Ça va l'emporter. Ça va l'emporter. Parce que cet homme a suffisamment démontré aux Congolais que nous avons fait l'erreur de croire à son parti et de croire en monsieur. Et ceux qui disent comme lui Tshisekedi que l'opposition est une opposition faible et se trompent. Les erreurs, l'amateurisme et les actions alambiquées que M. Tshisekedi multiplie feront qu'à un moment donné, les gens seront dans l'obligation de se retrouver, de faire un rassemblement de fêtes pour résister à cette forfaiture, pour faire barrage aux actes des dictatures que M. Tshisekedi est en train de mettre en branle. Congolais, je voudrais réitérer mon appel. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. À l'heure où nous sommes, le problème du Congo s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous aimons vraiment notre pays, nous devons nous tous nous organiser pour que ce monsieur parte. Et je crois que les jours qui arrivent, nous donnerons la possibilité de chasser véritablement ce Tshisekedi. Avant de finir, parlons de Tshisekedi. Je voulais alerter M. Tshisekedi sur ce qui se passe actuellement au Kanchachi. On ne peut pas avoir un goût pour la jouissance, pour l'incompétence, mais aussi avoir un goût pour se mettre en insécurité et en danger. On a déguerpi brutalement les hauts gradés de la garde républicaine sous prétexte qu'ils sont détachés à la sécurité de Kabila. Je donne les noms. Le général Doudou Kaboué.
le général Doudou. Il est à Walikale, il est au fond dans l'est de la République. Il occupait une villa au sortir de la cité de l'OIA. Je parle du colonel Zoro. Ancien chef adjoint des opérations. Je parle de Major Ben Kalala, qui est aujourd'hui dans l'unité de sécurité de Joseph Kabila. Ces hommes qui sont encore militairement actifs ont vu le général Kabi, qui est le chef d'état-major de la sécurité actuelle de Tshisekedi, venir dans leur villa et leur dire, le commandant suprême a dit, vous avez 72 heures pour libérer les lieux. Commandant suprême. Et comme si cela ne suffisait pas ce week-end, le général Kabi a mis en exécution ces menaces. On a chassé ces gens-là. On les a déguerpis. Le colonel Zoro est à l'heure où nous parlons, le chef, les chefs d'état-major de la sécurité de Kabila. Mais ce sont des militaires qui sont encore en fonction. Ce sont des militaires qui sont encore actifs. Vous les déguerpissez, soi-disant qu'ils sont détachés. D'ailleurs, officiellement à la sécurité de Kabila. Qu'est-ce que vous mettez dans la tête des gens? Si ce n'est pas la volonté de vous insécuriser vous-même. C'est haut gradé que vous chassez comme ça. Ils ont leurs compagnons d'armes au sein de la sécurité présidentielle. Ils ont fait les académies militaires avec leurs compagnons d'armes qui sont encore vous, avec vous. Vous pensez que ceux qui sont là sont contents de voir leurs compagnons d'armes être humiliés comme ça? Monsieur le président de la République, ici je voudrais vraiment pathétiquement m'adresser à vous. Si c'est vous qui avez ordonné ces déguerpissements, monsieur le président, je vous demande de revenir sur votre décision. Parce que vous vous mettez en insécurité. Et vous vous mettez en danger. En procédant ainsi, en cherchant à humilier les hauts gradés d'une unité chargée de vous sécuriser. Sous prétexte qu'ils sont détachés à la garde de monsieur Kabila. Vous vous insécurisez, monsieur le président de la République. Si ce n'est pas vous, parce que généralement, en 4 ans, on a également compris que souvent vous n'êtes pas au courant des choses. Vous avez déjà que vous ne connaissez pas votre propre salaire. Souvent, vous n'êtes pas trop au courant des choses. Déjà que vous-même, vous avez dit que vous ne connaissez pas votre salaire. Peut-être que cette situation, vous ne le connaissez pas. Je vous informe, monsieur le président de la République, qu'on a déguerpi ou on est en train de déguerpir des hauts gradés des JR sous prétexte qu'ils sont commis à la garde de Kabila. Cette situation va vous mettre en danger, monsieur le président. Cette situation va vous insécuriser. Évitez de faire une discrimination, évitez de faire une ségrégation des éléments d'une même unité, d'une même force. Évitez ça. Évitez, monsieur le président, pour votre propre bien et pour le bien de la République. Une discrimination, une ségrégation des unités, des éléments d'une unité censée vous protéger, vous mettez vous-même, monsieur le président, en sécurité. J'attire la sonnette d'alarme. Je vous appelle, Excellence, monsieur le président. J'attire la sonnette d'alarme. Le général Doudou est au front là-bas. Sa femme et ses enfants sont en train d'être déguerpis et ne savent plus mettre le pied. Quel est le moral de ces militaires qui est au front là-bas dans l'est de la République? Le colonel Zoro chassé. Et c'est ce colonel Zoro qui était chargé des opérations, qui a même assuré la sécurité de la cérémonie de passation des pouvoirs. Et à l'heure où nous parlons, il est chef d'état-major de la sécurité de l'ancien président Kabila. La République n'a pas besoin de ça. La République n'a pas besoin de cette chasse à l'homme. La chasse à l'homme qui est lancée aujourd'hui au sein de la garde républicaine. J'attire l'attention de l'autorité. J'attire l'attention de l'autorité. Faisons attention. Faisons très très attention. La République n'a pas besoin de ça. J'ai dit. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous.
recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.